Bonjour tout le monde. Oh, il y a Fifi qui se casse la figure. Ça commence bien. Aujourd'hui, eh ben oui, un nouveau concours. Désolée, je sais pas pourquoi. Ça devient noir, ça devient clair. Alors, je vous explique pourquoi un nouveau concours maintenant, déjà maintenant, tout de suite. Parce que vous savez que j'avais mis en vente pas mal de choses dans mon atelier. Et j'ai un truc qui se vend pas. Voilà. Donc, Dis bonjour. Bonjour. Et du coup, je vais le mettre à gagner. Voilà. Oh là, ça m'énerve, ça. Pourquoi ça fait ça? Bon, je ne sais pas pourquoi. Je vais le mettre à gagner. Donc, il y aura trois gagnants, puisque j'ai partagé le lot en trois. Et bah, je préfère le faire gagner que de le mettre à la poubelle ou que ça reste dans un coin. Voilà, parce que moi, je n'en ai plus l'utilité. De toute façon, je sais que j'achète toujours ça et puis je ne les regarde pas. Je ne m'en sers pas. Voilà. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Et la preuve, c'est que maintenant, je n'en achète plus. Je suis devenue raisonnable. Ça arrive de temps en temps. Alors, ce sont des revues. Ce sont des revues, alors, de scrap. Alors, il y a trois paquets que j'ai faits. Alors là, quand je vais vous les montrer, vous allez le voir à l'envers, mais je vais vous refaire des photos que je vais vous mettre à la fin de la vidéo, comme je fais souvent. Non, elle a décidé hein, ce matin. Ce matin, hé, mord pas maman. Elle mord maman. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, je vais vous faire les photos comme je fais d'habitude et je vous les mets à la fin de la vidéo pour que vous voyez ce que c'est exactement. Voilà, parce que là, vous allez les voir à l'envers. Et puis, de toute façon, parce que j'ai laissé mon pied vidéo en bas et je ne peux plus redescendre. Je suis punie dans mon atelier parce que Chouchou est en train de laver la maison. Et oui, j'ai un Chouchou qui lave la maison. C'est bien. Hein? Donc, si je descends, je vais me faire engueuler. C'est pour ça que moi et Fifi, on est punis en haut quand Chouchou lave. Et non, elle a décidé ce matin. Allez, hop, 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 va voir là-bas si j'y suis. Oui, quand Chouchou est en train de laver la maison, moi et Fifi, on est punis en haut. Alors. Comme j'ai dit, il y a trois lots. Voilà, ce ne sont que des revues. Alors, les revues. Oh, elle a décidé. Alors, comme vous savez, dans ces revues, il y a toujours des pages de scrap à découper. Il y a des tags, des images, etc. Moi, je ne les ai jamais enlevées. Les revues sont complètes. Va voir là-bas. Tout est complet, je n'ai jamais rien retiré des revues. Je peux vous montrer une là, vous voyez, tous ces genres de pages là, tout est complet dedans. Fifi, il y a un bon lit là-bas pour aller faire un gros dodo. Juste après, tu reviendras le temps que je monte. Donc, moi je n'ai rien, je disais, j'ai rien retiré. Vous voyez. Tout est complet. Donc, vous pourrez découper à votre guise. Voilà. Donc, les revues sont quasi neuves. Voilà. J'ai juste fait ça. Moi, je les achète pour faire ça. C'est tout. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment l'argent jeté par les fenêtres avec moi. Non, mais je vous jure, elle a décidé. C'est juste de l'argent jeté par les fenêtres. Et vu le prix des revues, j'ai dit stop, on arrête les dégâts. Voilà. Et donc là, je vais vous les faire gagner.
Elle va me rendre folle. Aujourd'hui, elle va me rendre folle. Allez, je vais essayer de vous montrer le premier lot. Alors, le premier lot, hop, 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 le voici. Alors, c'est, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 revues. Alors, désolé, vous allez voir à l'envers, mais je vous lis le titre. C'est Créa, Carte et Scrap, Idée Magazine, Trucs et Astuces. Voilà. Donc, pareil, hein, vous verrez les images au moins, mais si vous ne voyez pas les mots. Donc, il y en a 8 sur différents thèmes. Hein. Ah, ce n'est pas des très vieux hein, en plus. Hein, c'est vraiment pas des très vieux. Donc là, vous avez... là, c'est sur l'été, la création de saison. Là, c'est sur l'automne. Là, c'est encore sur l'été. Voilà. Il y a vraiment... vous aurez plein d'idées dedans pour faire des cartes, des pages de scrap. Voilà. Ah, mince, il y en a en double. Je n'avais pas vu. Ah ben, oui, j'ai même acheté en double. Faut le faire. Alors, attendez. Bah, du coup, le premier lot, il y en aura 7. Je suis désolée. Il y en aura 7. Et celui en double, je vais le mettre ailleurs. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ah ben, on va le mettre là. Voilà. Je suis désolée. Alors, il y en aura 7 pour le premier lot. Je n'avais même pas vu que j'en avais un en double. Vous voyez, j'achète même en double. Donc, il y aura 7 revues pour le premier lot, voilà, de Idée Magazine. Voilà, Idée Magazine, Créa, Carte et Scrap, Trucs et Astuces. Donc là, vous avez 7 revues à gagner pour le premier lot. Alors, comme d'habitude, vous ne choisissez pas le lot pour lequel vous voulez gagner. Hein. Ce sera le hasard qui vous désignera. Hein. Le deuxième lot, bah, du coup, je vous ai rajouté celui que j'avais en double. Voilà. Et vous aurez 4 revues de passion carte créative. Voilà. Donc, c'est pareil. Hein, c'est des revues qui coûtent une blinde. Enfin, quand je dis une blinde, ouais, si, ça coûte cher parce que c'est des revues quand même qui coûtent assez cher. Vous voyez. Donc, pareil, vous voyez, tout est dedans. J'ai rien retiré. Donc, il y en a 4. Voilà la première. La deuxième. La troisième. Du coup, je regarde que j'en ai pas en double. Hein. Ce serait ballon. Et la quatrième. Donc, ça, ce sera le lot numéro 2. Voilà. Et du coup, bah, vous aurez un Idée Magazine avec. Oui, c'est ça. Une Idée Magazine avec. Et le troisième lot. Alors là, il y a un petit peu. C'est un petit peu mélangé. Il y aura 1, 2, 3, 4. Ben, il y a 5 magazines également. Vous avez un nouveau magazine. J'avais acheté parce que c'était marqué numéro 1. C'est pour voir ce que c'était. Pareil, hein, j'ai rien enlevé, vous voyez. Et puis à l'intérieur, il y en a aussi. Hein. Voilà, vous voyez. J'ai rien retiré. Tout est dedans. Alors, c'était un nouveau magazine. Je ne sais même plus quand est-ce qu'il était sorti, celui-là. Carte et Scrap Vintage. Voilà. Vous aurez 2 magazines. C'est pareil. J'avais acheté le numéro 1 et le numéro 4. Alors, Scrapbook. L'atelier Scrapbook. Voilà. Donc, pareil. Vous voyez. Il y a toutes les pages, les étiquettes dedans à découper. Voilà, le petit marié. Et le deuxième,
Idem, il est entier comme d'hab. Hein. Je préfère vous le montrer parce que bon, vous diriez, elle nous fait gagner des revues qu'elle a déjà tout découpé, c'est pas la peine. Voilà. Donc là, vous aurez deux ateliers scrapbook. Et pour le lot numéro 3, vous aurez deux passions scrapbooking. Voilà. Donc, idem. Alors, celui-là, par contre, il coûte une blinde. Hein. Celui-là, ouais. Là, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, parce que vu le prix. Là, je peux vous le dire, le prix, c'est 9,90 €. Là, je suis folle d'acheter ça. Donc, pareil, il y a tout ce qui. Tout est dedans. Oui, c'est pour ça que je vous dis, je les achète et je ne m'en sers pas. Voilà. Donc là, vous avez celui-là. Et le deuxième, ah ben, là, c'est un vieux, hein, par contre, 2017. Mais bon, on s'en fout, hein, c'est ce qu'il y a dans les... Voilà, vous voyez, tout est dedans. Et belle celle-là, regardez. La page, là, elle est super belle. Pardon. Ce qui est que ce soit 2017, 2021, on s'en fiche. Hein, comment? C'est les modèles qu'il y a dedans et puis le papier qui est dedans. Voilà. C'est indémodable. Donc voilà, ça c'était le lot numéro 3. Donc voilà, alors comme d'habitude, pour gagner ces petits lots. Petit concours pas prévu que j'ai voulu faire comme ça à l'arrache. Fifi, t'as envie de m'acheter des choses? Elle est dans la boîte où j'ai encore des trucs à vendre. Elle fait son petit marché. Alors, comme d'habitude, vous me laissez un petit commentaire sous la vidéo et avec un petit bonjour, un petit bisou. Comme je dis souvent, ça fait toujours plaisir. Et vous me marquez, je participe. Lumière ma mèche. Vous me marquez, je participe. Et moi, derrière, je viendrai vous mettre un petit commentaire. Pareil, je viendrai vous dire bonjour et puis un petit bisou. Et je viendrai vous donner un petit numéro de participation. Alors, là, j'ai noté sur mon calendrier cette fois-ci. Le concours commence aujourd'hui. Donc, nous sommes le 17 novembre. Et il se terminera le 1er décembre. Voilà. Donc ça vous donne une bonne quinzaine de jours hein, pour le faire. Je ferai le tirage au sort entre le 2 et le 4 décembre. Et donc ça, après, comme ça, moi, ça me donnera du temps pour pouvoir envoyer. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai calculé ces dates. Parce que ça va être des paquets qui sont un petit peu lourds. Donc moi je ne les enverrai que par Mondial Relais. Enfin, j'essaierai de les envoyer que par Mondial Relais. Donc j'espère que vous aurez des Mondial Relais, les gagnantes. Et comme ça, moi, je pourrai les envoyer au moment où j'ai ma pension. C'est plus pratique que j'envoie quand j'ai des sous, que les envoyer quand j'ai pas de sous. Voilà. Et puis par Mondial Relais, c'est moins cher. C'est moins cher pour moi. Enfin, même quand c'est vous qui envoyez des trucs, hein, c'est vrai que Mondial Relais est beaucoup moins cher. Voilà. Mais bon, ça, je l'expliquerai au moment du tirage au sort. Donc, comme ça me permet d'envoyer à la semaine où moi, je touche ma pension. Voilà. Hein. Il n'y a pas de miracle. Hein, mes pauvres gens. Je fais des cadeaux. Je fais des concours. Mais je paye les frais de port. Mais ça ne me gêne pas. Le principal, c'est que je puisse le faire au moment où les sous sont sur mon compte. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ces dates-là, c'est pour que ça puisse tomber au bon moment après pour l'envoi. Donc voilà, comme ça se terminera le 1er décembre. Le tirage au sort se fera dans les 2-3 jours qui suivent. Et après, le temps que les personnes me répondent, ça ira nickel pour les envois.
Donc voilà, aujourd'hui, vous n'avez juste qu'à me mettre un commentaire, un bonjour, un bisou et je participe. Donc vous avez une bonne quinzaine de jours pour participer. Ouais, je voulais laisser une semaine et puis après j'ai dit bon non, je vais laisser une quinzaine de jours. Malgré que c'est un petit concours comme ça, fait à l'arrache, pas prévu. Et puis, ça va, t'es à l'aise, là, couché. Et comme ça, ça vous laisse du temps. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir, hein, des petits concours comme ça, de fin d'année. Et comme je vous ai dit, bah, ça, moi, je préférais vous les faire gagner que de les mettre à la poubelle, hein, surtout qu'ils sont nickel, hein, ils sont tout neufs. C'est comme si je les donnais, de toute façon, hein, mais bon, bah, comme ça, ça fait un petit jeu en plus. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.